en direct de la domicile du juge de président du procès, M. Vital Kamere, devant sa domicile. Et au moment où je vous parle, M. le président est mort. Genre, il est mort hier à 23h à Clinique Ngande. Là, nous sommes devant sa domicile. Derrière le professeur Sekabila. Panais qui ont de Pain Victoire, qui sont Congo Futur, tous ces gens-là, ce sont les entreprises que Kabila a données à ces étrangers. Ils font le blanchiment des capitaux. Et dans ce procès de Vital Kamere, l'opération que le juge était au point de découvrir, c'est une opération qui lie directement ces entreprises-là, de ces messieurs de Jamal, tout ça, aux groupes terroristes qui sont dans son pays. Vital Kamere, c'est un membre dans cette mafia. J'ai des larmes aux yeux. Cet homme que vous tous vous avez admiré, qui a laissé Vital Kamere faire ses discours, vraiment, paix à son âme, paix à son âme. Paix à son âme, que le Seigneur protège le Congo. Que le Seigneur protège le président de la République, parce que le pays est en danger. Le juge a dit que Amida devait venir de Troyes au procès. Et Kamere, avec ses hommes, ont promis de mettre le feu. Voilà le feu. Parce que cette dame doit venir dire la vérité. Si elle ne dit pas la vérité, elle va faire aussi la prison. Kamere a dit, pas question. Si ma femme vient ici, on va mettre le feu. Je sais que les gens disent que les juges n'avaient pas une bonne sécurité. Selon les sources à Kinshasa, on me dit qu'il avait un policier qui était avec lui, plus son chauffeur. Un policier, quelqu'un qui juge une bande de la mafia, il devait avoir une jupe remplie de policiers aux besoins des militaires, capable de les sécuriser parce que ce moment est un moment très critique. Un seul policier, plus le chauffeur. Le juge habitait Bandal. Il a été assassiné par des hommes lourdement armés cette nuit. Ah. Quelle triste nouvelle. Ah. Cette mafia. Vous voyez ces gens? Ils ont donné un message aux autres juges qui viendront pour dire, si vous osez faire aussi, votre sort, c'est la mort. Mais nous vous disons, il y a un Dieu au ciel. Vous allez les payer. Mes chers amis, je demande à tous les Congolais qui suivent cette vidéo, cette nuit, avant de dormir, si vous êtes aux États-Unis, au Canada, si vous êtes encore en Europe, vous ne dormez pas. Prenez quelques minutes, priez avec votre famille. Dites à Dieu, à moins que ce Congo ne soit pas notre pays, que ce groupe de gens qui prennent le pays en otage, qu'ils réussissent. Mais si ce pays nous appartient, que tous ces gens-là payent pour tout ce qu'ils ont fait aux Congolais. Nous ne pouvons pas être victimes dans notre propre pays.
Nous ne pouvons pas continuer à enterrer les nôtres. Chaque jour, ils doivent faire quelque chose. Chaque jour, ils doivent faire quelque chose pour que Tshisekedi n'aille pas le temps de travailler. Je pense que la communication du président Félix avec le premier ministre israélien aujourd'hui doit amener un changement dans le pays. Il faut que quelque chose se passe. Il faut que des choses sérieuses se passent. Ces gens doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Que personne ne sorte vivant dans le pays. On était encore large. On disait, bon, ils peuvent aller à l'étranger, ils peuvent aller en exil. Les services de sécurité américains ont donné à Kabila toutes les possibilités. Kabila a refusé. Aujourd'hui, il est rentré à Kinshasa. Mais ce n'est pas terminé. L'affaire n'est pas terminée. Qui croit gagner, sera gagné. Qui croit être fort, sera vaincu. Le peuple doit s'élever. Le peuple doit prendre en otage ce palais du peuple. La Constitution, je le dis, je répète, la Constitution doit être suspendue. On n'a plus besoin de cette démocratie, des gens qui sont méchants, qui se sont arrangés pour prendre le pays en otage au nom de la démocratie. Ça, ce n'est pas de la démocratie, on n'en a pas besoin. Le président Félix doit faire quelque chose. Le peuple doit chasser tous ces gens du Parlement. Ils ont été tous corrompus. 1 500 $ pour faire tomber Kaboul. Le pays appartient aux Congolais. J'aimerais que le président le sache. Monsieur le Président, il y a un attentat, un assassinat qui est préparé contre vous. John Numbi, Jeannette Kabila et d'autres caciques ont décidé que cette fois-ci, ils vont tout faire pour en finir avec vous. S'il faut utiliser des bombes, ils vont utiliser des bombes pour vous atteindre. Vous êtes averti que l'alerte soit maximale, que le niveau d'alerte soit au maximum, que tous les services de sécurité prennent des dispositions pour sécuriser les présidents. Là, je dis, monsieur le président, prenez des dispositions. Prenez toutes les dispositions. Ces gens, ils vous ont envoyé un message clair. Vous êtes en train de chercher l'état de droit. L'état de droit se fera avec des juges, avec des magistrats. Mais si on commence à tuer des gens qui peuvent faire cette justice, l'état de droit ne va pas exister. Vous devez tout faire, monsieur le président. Vous séparez pour de bon. Je l'avais déjà dit. La séparation était déjà là. La séparation était déjà là. Accomplissez ça, que l'UDPS se sépare de ces gens, qu'on les laisse. Mais que le peuple prenne le Parlement. On ne peut pas continuer tous les jours à nous plaindre des petits groupes qu'on peut anéantir, neutraliser à Kinshasa là. Il y a 15 millions d'habitants à Kinshasa. Vous avez l'armée avec vous. Du moins ceux qui sont avec vous. Si vous avez besoin de l'aide, l'ambassadeur des États-Unis est sur place. Parlez-en. Trouvez une solution. Si c'est la sécurité qui pose problème pour la capitale, renforcez la sécurité de la ville avec des troupes étrangères. Suspendez la Constitution, chassez tous ces parlements. On ne peut pas continuer à pleurer des gens tous les jours. Il y a des gens qui ne dorment pas. Mon téléphone ne cesse de sonner. Les gens veulent savoir si c'est vrai, le juge est mort. Il y a une maman qui m'a appelé. Elle a commencé seulement à pleurer. Elle a pleuré. Il dit, cet homme-là, cet homme qui nous a donné l'espoir, qui lui a montré vraiment qu'il est là pour servir le pays. Et non pas suivre les millions que les caméras
et les autres ont déjà pris. Ces juges-là ont été plusieurs fois sollicités pour qu'ils puissent prendre la corruption. Ils ont refusé. Monsieur le Président, nous croyons à la grandeur de votre cœur, mais vous êtes dans un mauvais pool. Vous ne pouvez pas continuer avec Kabila. Nous savons que vous vous êtes séparés depuis ces jours-là. La séparation maintenant doit être officialisée. Cash doit se séparer avec FCC. Ça doit se séparer maintenant officiellement. Vous êtes déjà séparés. C'est sur beaucoup de dossiers, notamment les dossiers de 100 jours. Parce que là-dedans, il y a l'implication de tous ces groupes terroristes encore là-dedans. Et les Américains sont en train de suivre ce dossier-là. Voilà pourquoi les agents de sécurité étaient venus. La CIA était venue notamment pour toutes ces histoires-là. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas perdre encore le temps à expliquer ça ici. Mais maintenant, la guerre est déclarée. Ne pensez pas que Kabila va vous faire un cadeau. Alors ne sois pas là pour lui faire un cadeau. N'hésitez pas à sauter le premier. Parce que maintenant, là, c'est entre vous deux, celui qui trouve l'autre, il récupère les choses. Il vous cherche. Vous devez le chercher. Ce n'est plus, c'est terminé. Il est à Kingakati. Vous êtes le commandant suprême. Envoyez des militaires arrêter ce monsieur. Envoyez, prenez des militaires. Vous avez déjà vos gardes républicaines, tout ça. Envoyez des types et des types prendre ce monsieur-là. S'il résiste, l'affrontement va se faire. C'est tout. Ceux qui vont mourir, vont mourir. Ceux qui vont rester. Mais lui, soit mort, soit vivant. Tout un pays est suspendu sur un nom, Kabila. On lui a demandé de quitter le pays. On lui a demandé de se retirer de la politique. Il ne veut pas. Il a gagné tout l'argent. Tout ça, ça ne suffit pas. Il faut encore être avec des Chinois, continuer à chercher à déstabiliser le pays. Les enfants qui naissent aujourd'hui au Congo, ils ont droit de vivre normalement dans leur pays. Il n'y a ni école, ni hôpital, ni quoi, ni tout n'existe pas chez nous. On apprend seulement 10 millions de dollars, 5 millions de dollars. Les gens sont en train de prendre l'argent comme ça. Non, non. Je sais que beaucoup disent non, soyez calme, Félix connaît ce qu'il fait. Félix ne connaît pas ce qu'il fait. Pour l'instant, non. Il ne connaît pas ce qu'il fait. Ce qu'il doit connaître, c'est seulement de chasser Kabila, c'est tout. Il ne doit pas connaître autre chose. Ne dites pas qu'il connaît ce qu'il fait. Non, il ne doit pas connaître quelque chose maintenant. Il ne connaît rien d'autre que de chasser Kabila. C'est tout ce qu'il doit connaître. S'il chasse Kabila, l'affaire est terminée. S'il arrête Kabila, l'affaire est terminée. Il ne doit pas faire des stratégies. Maintenant, il n'y a pas de stratégie. Le temps est compté. Dans une journée, 5 personnes meurent. La journée qui suit, 3 personnes meurent. Le troisième jour, le juge de 100 jours meurt. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est nous qui dirigeons ce pays, c'est nous qui avons tout en main, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous allons faire taire tout celui qui parle. Le juge est parti. Les ministères publics, on ne sait pas. Son sort, c'est quoi? Le juge est parti. On a tiré sur lui. Chers amis, le pays va mal. Que chacun de nous, avant de dormir aujourd'hui, ayez même 5 minutes. Priez,
Si vous êtes seul, prie seul. Si tu es en famille, prie avec la famille. Recommande le sort de notre pays entre les mains de Dieu. Tout peut basculer à n'importe quel moment. L'ennemi est en train d'avancer. Le tueur est en train d'avancer. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Je vous ai dit que cette histoire des climatiseurs où on a trouvé des débris toxiques, c'est une diversion. Le tueur est là. Personne ne le connaît. Et ça peut arriver à tout le monde. C'est comme le coronavirus. Les gens se promènent, ils ne savent pas qui a ça. C'est un ennemi invisible. C'est comme ce genre de poison. Et j'insiste, si tout ceci, ça, si Kabila est neutralisé avec ces hommes, nous devons avoir une loi contre le poison dans le pays. On ne pourra jamais entendre parler du poison en RDC. Ce n'est pas notre culture. C'est venu du Rwanda. Ce sont les services de Kagame qui font ce poison. Au Rwanda, personne ne parle. Kagame règne en maître. Il peut faire 90% aux élections parce qu'il n'a pas d'opposant. Tout celui qui veut parler au Rwanda, on l'empoisonne. On l'assassine. On le trouve pendu. Ce principe, ils ont amené ça au Congo. Au Congo, on ne pouvait pas tuer quelqu'un par machette. C'est venu du Rwanda. Aujourd'hui, on commence à trouver des gens, un corps sans tête. Ils ont amené cette pratique-là, les Rwandais qui étaient partis chez Kamuina Nsapu. Ils ont tué les experts de l'ONU en les coupant la tête. Trop, c'est trop. On est fatigué. Nous demandons seulement une chose au président, qu'il prenne son courage. Qu'il dissout. Qu'il puisse dissoudre le Parlement. Que le peuple soit avec lui. Peut-être qu'il hésite, il pense que le peuple ne va pas sortir. Monsieur le Président, je te l'ai dit, si tu dissous le Parlement, tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu vas voir combien le peuple sera dans la joie. Les rues de Kinshasa vont, pendant une semaine, personne n'ira au travail. Les gens seront en train de célébrer. Si tous ces gens-là arrivaient à entendre que Kabila est arrêté, même si c'est à 2h du matin, les gens seront dans la rue pour célébrer. C'est tout ce que nous vous demandons. Maintenant, tu es au bout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de relation, il n'y a rien. FCC cache, c'est fini. Et même cache ça, c'est même pas cache, c'est UDPS. C'est terminé avec ces gens. UNC, UNC c'est le prolongement du FCC. Qu'ils aillent de ce côté-là. Vraiment. On ne peut pas passer un jour dans la paix. Tous les jours, c'est toujours des situations et des situations et des situations. Selon des informations parvenues à Congo League, Joseph Kabila a instruit Jeannette Mabunda de destituer Jean-Marc Kabunda. Et ensuite, plus tard dans la nuit, il a demandé au général Kampete, le général John Numbi, en présence de Jeannette Kabila, qui est incroyable mais vrai, tout le monde en parle, la fausse, ok. Selon Joseph Kabila, nos agents en RDC a demandé aux deux généraux de passer à l'action pour mettre fin à la régulation de Félix Tshisekedi. Vous avez suivi, les deux généraux vont prendre le pouvoir par force pour mettre fin à la régulation de Félix Tshisekedi. Pour eux, Félix Tshisekedi ne pouvait pas
déclencher les hostilités avec eux sur le plan judiciaire. Avec cette histoire, ils sont tous en insécurité, alors ils vont directement faire un coup d'État pour le faire tomber et prendre le pouvoir. Vous avez compris, l'information que je venais d'avoir se confirme ici. Il y a un coup d'État qui est en préparation, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Si le président Félix nous écoute, que ces hommes puissent neutraliser ces gens-là, qu'on puisse envoyer des bataillons vers Kingakati, on doit déloger ce monsieur-là avant que lui n'atteigne son objectif. En 2006-2007, lui, Kabila a fait ça. Il a délogé Jean-Pierre Bemba pour qu'il puisse rester diriger le pays. La situation est en train de s'aggraver. Il ne faut pas qu'on fasse semblant comme si tout allait bien. Le président de la République doit arrêter de faire des sorties publiques comme ce qu'il a fait aujourd'hui, aller s'incliner devant le corps de Charles Kilosho. C'est normal, ce sont collaborateurs. Mais sa sécurité maintenant doit être renforcée. Le président ne peut pas encore commencer à sortir comme ça. Parce qu'ils peuvent envoyer même un obus. Ils peuvent faire tomber, je ne sais pas, une bombe. Pourvu qu'il soit localisé, qu'il ait telle place. Ça fait tomber ici, ça prend un rayon de 100 mètres. Tous ceux qui sont dans ce rayon-là peuvent mourir tous. Donc le président doit être maintenant dans un lieu sécur. Un lieu de sécurité. Un lieu où les gens ne se connaissent pas. Il ne doit pas être ni à Célé, ni à la cité de l'OIA. Il doit être quelque part. Seuls les agents qui sont fidèles à lui doivent savoir là où ils doivent l'amener. La situation n'est pas bonne. Et pendant ce temps-là, il faut actionner la procédure de neutraliser Kabila et ses hommes. Tout, c'est tout. Qu'on ne se cache pas, ces gens-là vous montrent clairement qu'ils ont attaqué le président dans sa famille. Son oncle paternel est mort. Sa tante est morte hier. Ses deux cousins sont morts. Son neveu est mort. Et tant d'autres proches de la famille, comme Maître Mukendi, comme Jacques Ilunga, comme Charles Kilosho, ce sont des gens qui sont proches des bâtonniers Mukendi. Est mort sans honneur pendant le confinement. Trois ou quatre personnes vont l'enterrer. Un bâtonnier national qui a servi Étienne Tshisekedi de toute sa vie, son conseiller politique, il va mourir dans des circonstances où quatre personnes vont aller l'enterrer sans deuil. Vous trouvez ça normal? Nous avons besoin maintenant d'une solution. Le peuple en a marre. Le peuple se pose la question, mais le président attend quoi? Je crois ce qui vient de se passer, c'est un message. Et les groupes de John Numbi, ce sont des éléments qui savent que leur sort est déjà signé. Avec les Américains, ils vont faire la prison. Alors, pour se protéger, ils doivent reprendre le pouvoir pour essayer encore de tirer les choses en longueur. Hein, vous savez, s'ils reprennent le pouvoir, c'est encore pour 20 ans. Si John Numbi a 60 ans aujourd'hui, 20 ans plus tard, il aura 80 ans, n'est-ce pas? Il peut mourir même avant ça, il ne fera pas la prison. Kabila, la même chose. Ils sont en train de calculer tout ça. Si nous récupérons le pouvoir, si un des nôtres récupère le pouvoir, nous serons en sécurité tous au Congo. Donc, c'est un malaise. Il a vomi. On l'a amené à l'hôpital, il est mort. Ce ne sont pas les hommes armés. Voilà.